aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'Iniesta. J'ai réservé sur internet, il suffit juste de retirer ici au Combini les tickets. Hop hop hop, voici les fameux billets. Le mieux c'est quand même d'y aller en métro. Ah merde, c'est le wagon pour les femmes. Ah mais il y a des mecs dedans. En fait, c'était vraiment exclusif aux femmes. Seuls les mecs qui accompagnent les filles de moins de 6 ans sont exceptionnellement autorisés. Je suis même en plus, putain, je devais vraiment avoir l'air d'un con. Ou d'un pervers. Bon, il y avait des autres mecs aussi, hein. Pas que moi. La gare est décorée aux couleurs de Vissel Kobe, l'équipe locale, l'équipe de Kobe, quoi. Ah, mais j'ai pas encore précisé. En fait, je vais voir un match de foot. Mais avant ça, on va passer au supermarché acheter à boire à la COP. Je prends toujours du thé, soit au lait, soit au citron. Ouch, la queue de fou là. J'ai jamais vu autant de monde. L'effet Iniesta. Bon, c'était laborieux, mais c'est fait. Je parle d'Iniesta, mais de quoi on parle en fait? C'est un international espagnol qui joue à Barcelone et qui vient d'être recruté par Vissel Kobe. C'est un des meilleurs joueurs du monde, c'est vraiment historique qu'un club japonais attire ce genre de joueur. Aujourd'hui, c'est ses grands débuts et il sera face à Shonan Bellmare, un club de Kanagawa près de Tokyo. Shonan, c'est une ville plus connue pour le surf que pour le foot, à vrai dire. Et puis, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils viennent de remonter de la deuxième division en première division. Mais Shonan Bellmare, c'est surtout le club de Tsubasa, dont Olivier Tom en français, Captain Tsubasa. Donc, il y a beaucoup de fans qui aiment Shonan Bellmare. Voici le stade de Kobe, 30 000 places, construit en 2002 pour la Coupe du Monde au Japon. Il a un toit rétractable, ce qui est assez rare. Il fait super chaud en ce moment. Ils ont mis des piscines pour les enfants. Là, les stands, ils sont pleins à craquer. D'ailleurs, peut-être qu'ils mangent du bœuf de Kobe, tiens. Il fait presque 40 degrés, mais avec l'humidité, ça a l'air vachement plus chaud. Hein. Bon, alors à l'entrée, ils m'ont filé une petite carte Iniesta et un Uchiwa. Un éventail, quoi. Bon, faut que je trouve ma place maintenant. Et voici les supporters de Côte d'en Rouge qui chantent une chanson dédiée à Iniesta, le héros du jour. Il y a un monsieur qui demande à tout le monde de remplir un sondage. Il a demandé à tout le monde autour de moi, mais pas moi. Peut-être qu'il m'a pas remarqué. Ah,
Il évite le contact du regard. Il a sûrement dû se dire que je n'arrive pas à remplir le formulaire. Faut pas le prendre mal, c'est pas méchant. Il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Sûrement comme beaucoup de monde, si c'est pas comment s'y prendre avec moi, ou les gens comme moi, et il a peut-être peur de déranger. Et voici l'effet Iniesta à son paroxysme. Cette famille chinoise, elle est venue spécialement pour voir Ferrero. Le voilà, Iniesta. Il va faire ses premières minutes sous le maillot de Kobe. C'est le petit chauve là-bas sur la touche. Va-t-il retourner le match tel un héros de manga? Et de 3 pour Shonan, Kobe 0, Shonan 3. Les joueurs, tête baissée, sont dépités, mais les supporters fidèles continuent à les encourager malgré la défaite. La messe est dite, c'est l'heure de rentrer. Et c'est bondé de monde. On est escorté par la police. Rassurez-vous, pas à cause d'hooligan, ça n'existe pas au Japon. C'est pour éviter que tout le monde ne sorte en même temps dans la rue. Jusqu'à la gare. Ou plutôt jusqu'aux plateformes. Il y a beaucoup de monde et acheter un billet serait très galère, mais heureusement, j'ai une IC card. Je vais pouvoir rentrer chez moi tranquillement maintenant. Paris de skill, Paris de high. On trouve beaucoup de magasins au Japon avec des noms bizarres, mais ce sera pour un prochain épisode. À bientôt!